Bonjour, je m'appelle Martin Seguin. Dans le cadre de mon projet, je suis en train de me fabriquer un gabarit et j'aimerais bien avoir un goujon rond. On est dimanche, le magasin est fermé, j'ai décidé de m'en faire un moi-même. Je vais vous montrer comment faire avec un fer quart de rond. C'est avec un radius de 3 bits, celui-ci. Et mon bloc de bois a environ 3 quarts ou 7, 8 environ de carré. Donc, je vais vous montrer comment transformer un morceau carré en un morceau rond. J'installe ça. Lorsqu'on installe un fer avec un roulement, on s'arrange pour que le roulement, le bearing, soit flush avec le guide de la toupie. Mon truc, moi, c'est d'utiliser une grande règle du solide en métal. Et quand je le bouge et le bearing ne bouge pas, c'est parce que je suis au bon endroit. La technique pour le passer sur le fer quart de rond. Bon, premièrement, pour avoir un goujon d'une certaine longueur, il faut toujours aller chercher plus. Parce qu'on va passer, tourner d'un quart de tour et repasser. Donc, il faut qu'il y ait toujours du carré pour tenir l'angle qu'on veut avoir de besoin. Si on irait jusqu'au bout, le morceau deviendrait rond à un moment donné, il n'y a plus aucune surface de référence. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer ici à une certaine distance, je vais passer et je vais ressortir avant de tourner. C'est une des raisons pour que je n'ai pas de peigne. Par contre, je pourrais avoir mon garde sur le dessus, mais bref, je l'enlève en même temps que les peignes. Il faut faire attention. Je l'ai déjà expliqué, mais la raison que je porte des gants, c'est parce que j'ai des problèmes d'eczéma et ça m'arrive que les mains sont plus sensibles que d'autres. Aujourd'hui, c'est le cas, et je n'ai pas le choix de mettre des gants. Bon, bien, en fait, c'était pas l'ajustement du fer le problème, c'était le fer. Au lieu d'en prendre un avec un radius de 3,8, j'en ai pris un avec un radius d'1/2. Beaucoup plus gros, ça va aider. On recommence.